Ça peut avoir de la sauce. Allez, ça va commencer. Et quelqu'un a posé. Allez, Tombéry qui emmerde le monde. Bravo, Tombéry. Donc, pour équilibrer la croix, je propose que de belles. Lancez-lui des chaises. Ah oui. Pour équilibrer, en punition. En punition. On va proposer ça. Ah oui. Voilà. Ah, Jimmy, on propose qu'en punition pour Tombéry de ne pas avoir déconnecté sa manette, il est éliminé. Allez, on est parti. Premier match de la Crew Battle. C'est parti, Banjo contre Zelda sur Lilat. Comme ça, on n'allait pas déjà rien voir. Oh, ça commence. Voilà, ça saute beaucoup. Ça se cherche. Le père de Banjo qui est un très bon outil de combo puisque ça envoie vraiment pas loin. Oh là là. Banjo qui traverse absolument tous les projectiles avec son side B. Voilà, ça va lancer la boule de feu, ça tombe déjà des smashs à 40%, parce qu'on sait jamais. Le side B de Banjo qui va sûrement être très très intéressant dans le match-up. Hein, ouais, sachant le match-up, ça va vraiment être fort, je pense. Ça va, est-ce qu'il est bloqué par le fantôme ou non? On a vu que non, il passe à travers le Knight, donc ça va peut-être poser problème à Zelda. Non, est-ce qu'il a encore une hitbox après qu'il a traversé le fantôme? Regarde, oui, voilà. Très très fort dans le match-up du coup. Ouais. Oh là là. Oh, le kick qui a été bien shield de la part du joueur Colmar. Voilà. Attention, c'est offstage. Ça balance des œufs. Oh là là. Ça a tenté le trap. Oh, et le kick. Voilà, c'est vraiment un très bon footballeur, ce Ryu. Oh là là, la mauvaise DI. Mauvaise DI. Et pendant ce temps-là, le zoo colmarien qui se réveille. Ah, apparemment, ils ont pas une super image, apparemment. Hein. Ils n'ont pas une super image. Ouais, apparemment, c'est en mode PowerPoint. Hein. C'est en mode PowerPoint. Ah, Jimmy. Ah, très bon à faire. Apparemment, l'image, elle est pas ouf. Ok. Bon bah désolé pour l'image, mais apparemment c'est plus ou moins comme ça. Heureusement, on peut vous faire l'audio description. Banjo qui gratte bien. Ouais. Ça gratte énormément. Elle a imposé totalement son rythme à la Zelda de 93%, c'est de Ryu pour une crew. Oh, il était là. Ryu qui n'arrive pas à trouver la stock, hein, c'est... Ah, il n'arrive pas à la voir là. Et du coup, là, Kilo Crimson qui n'a plus de... Attention, c'est offstage. Je sais plus que c'est Wonderwing, il me semble, non? Wonderwing, tout à fait. Oh, c'est la deuxième stock est prise pour Colmar. Ah, un 3 stocks, ce serait dramatique pour commencer la crew. Ah ouais, le 3 stocks, c'est vraiment dramatique pour Besançon, là. Ce serait vraiment... très mal pour débuter. Ah oui. Mais on l'avait dit là que Kilo Crimson il serait vraiment chaud après. Après sa contre-perve de la journée. Clairement il en demande. Là il veut s'attraper. Et clairement ça se voit qu'il est là pour ça. Ah c'est... Oh là 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 là, c'est un smash en rite de roll incroyable. Attention, oh là là. Oh, c'est la sauce. Oh mon dieu, ce smash incroyable. C'est le 3 stock. C'est complètement... complètement incroyable, la Colmar qui ouvre cette crew battle contre Besançon. Colmar explose avec un énorme 3 stock de la part de Banjo. Énorme.